Mags, how long were you alone on Factor before you got off? 2 years. Holy shit, 2 years. Goddamn. I don't want to be here 2 weeks. Time flies when you're running for your life. Least you had Daisy. There were more of us. Only Daisy and I made it. Took a long time for us to reach the evac ship. You got the Nordita evac ship running all on your own? Yep. Well, goddamn, my hat goes off to you, young lady. I am glad to have you on the team. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur Evolve en version alpha, voire pré-alpha. Donc déjà je vais tenir à m'excuser pour le gameplay que je vais vous faire voir. Bon là je commande pas en direct, hein, je commande pas en même temps que je joue. J'ai préféré faire après parce qu'on a eu quelques problèmes avec, avec ce jeu. Bon en même temps c'est une alpha donc je peux pas critiquer non plus le fait que ça déconne et tout ça. De toute façon on s'en foutait bien qu'on aura quelques soucis. Donc du coup je me suis dit que je vous filmerai un petit gameplay, donc j'ai réussi à en filmer un. Puisqu'il faut savoir qu'en tout et pour tout j'ai fait 4 parties, 4 ou 5 je sais plus. Donc les autres que je n'avais pas capturé, et d'ailleurs je regrette puisque les parties de gameplay étaient beaucoup plus intéressantes que ce que vous allez voir là. Donc si j'arrive à recapturer dans le week-end, puisque l'alpha est disponible jusqu'à dimanche, si je raconte pas de conneries. Donc ce que je ferai, je vais réessayer d'y jouer et... Parce que bon, en même temps j'ai reçu Sunset Overdrive donc c'est un peu compliqué de tout faire en même temps. Je vais essayer de refaire des vidéos de ce jeu en essayant d'en montrer un peu plus et surtout une vidéo plus intéressante parce que vous allez voir celle-là il se passe pas grand chose. Alors en fait le problème qu'on a eu c'est que hier soir on a essayé de jouer à plusieurs. Et donc on n'arrivait pas à se rejoindre en groupe, c'est-à-dire que sur 4 personnes qui étaient dans le groupe, on arrivait à en retrouver 3 et la quatrième n'arrivait pas à rentrer. Donc là j'étais avec Ice, Demo et Brouille. Brouille n'arrivait pas à rentrer dans notre partie. C'était un vrai bordel. Et même les trois qui étaient dans le même salon, on n'arrivait pas à se rejoindre dans une partie. Une fois que je lançais la partie, on en perdait un. Il y en a un qui rejoignait pas. J'ai réussi à faire 2 parties avec Demo. Et franchement, ça a été un véritable bordel. J'ai réessayé ce matin. Alors si vous voulez, j'ai réussi à faire cette vidéo. Et par contre, dès que la partie a été finie, j'ai essayé de relancer une autre partie pour avoir un meilleur aperçu du jeu. Et le problème, c'est que je n'arrivais plus à rentrer dans les serveurs. Donc c'est vrai que, comme je vous le dis, c'est une version pour Alpha, ce qui fait que forcément, des soucis, c'était sûr qu'il allait y en avoir. En plus, bon bah voilà, on est sur une version qui est carrément pas finie du tout. Hein. Donc même pour les graphiques et tout ça, je sais pas si on pourra vraiment juger. Je pense que ça va pas vraiment ressembler exactement au jeu comme il sera définitivement. Mais bon, déjà, j'ai eu une petite idée en tête de ce que j'ai vu du jeu sur les 4 ou 5 parties que j'ai fait. Et justement, je vais vous en parler. Donc en fait, vous aurez le choix entre 4 classes de personnages, c'est-à-dire qu'ils pourront jouer en coop. Donc vous avez le mec en assaut, vous avez le docteur, le médic, vous avez le trappeur, et vous en avez un autre, je crois que c'est pour la défense ou un truc comme ça quoi. Bon après, j'ai essayé 4 personnages, parce qu'il y a un cinquième personnage aussi qui est dans le jeu, c'est la bête. C'est la bête là qu'on est en train de traquer. Et bon, ça encore, j'en parlerai après. Donc en fait, vous avez ces 4 personnages là, chaque classe est différente, chaque personnage aura des attaques différentes. Donc vous voyez en fait sur le côté droit en bas de l'écran là, vous avez l'arsenal qui est à ma disposition. Et en fait, le petit rond à gauche que vous voyez, en fait, c'est chaque personnage qui joue avec moi. Donc c'est-à-dire le défenseur, le support, le médic, le mec assaut et l'espèce de classe trappeur. Donc en fait, il y en a un qui est sniper, il y en a un qui va taper plus ou moins loin, il y en a un qui va sauter moins haut, il y en a un qui va pouvoir utiliser plus le jetpack. Et ils vont chacun avoir des petites... vous voyez, le mec, il s'est fait choper par une plante carnivore. Ça m'est arrivé moi aussi, je me suis déjà fait choper comme ça. Donc vous allez avoir vraiment des armes différentes, c'est-à-dire que moi avec le personnage que j'ai là je peux balancer un bombardement, vous voyez, si j'appuie sur LB, là j'ai mon tir normal, quand j'appuie vers le bas j'ai une espèce de truc, alors honnêtement je ne peux pas vous dire ce que c'est, j'ai essayé de m'en servir, d'ailleurs vous allez le voir un peu plus loin, je m'en sers, je n'ai absolument pas compris à quoi ça servait, je pensais que c'était pour monter la vie mais en fait non puisque je ne suis pas le docteur, donc en fait je sais pas si ça remet pas de l'énergie pour le boost ou des choses comme ça. Mais après je ne sais pas, je voudrais pas trop m'avancer parce que j'ai tellement peu joué en fait que du coup j'ai pas pu voir exactement à quoi tout servait. Donc en fait bon le principe est simple, hein, c'est-à-dire qu'il y a la bête là que vous voyez en jaune là, il faut la poursuivre, faut la battre. Vous la battez par n'importe quel moyen, vous vous démerdez, c'est à vous de le traquer et c'est à vous de la battre. Forcément lui peut se défendre,
En fait, il va pouvoir lui. Comme vous avez vu, il y a de la faune en fait. Hein, il n'y a pas que cette bestiole en fait qui est dirigée par un joueur. Il y a une espèce de faune où vous allez avoir des espèces d'oiseaux qui vont venir vous attaquer, des espèces de bipèdes. Vous avez des monstres dans les marais. Vous avez des espèces de dinosaures qui se baladent aussi qu'on peut abattre, comme vous avez vu tout à l'heure. Et en fait, cette faune en fait que vous allez avoir, ça va pouvoir servir pour l'équipe et pour le monstre. Alors pour le monstre, en fait, ça va lui servir à se nourrir et en fait à upgrader en fait ses pouvoirs. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de tuer, à force de tabasser des trucs et de bouffer leur chair, en fait, il va avoir une espèce de d'expérience qui va monter. Et il va pouvoir atteindre plusieurs niveaux. Donc moi, j'ai vu, je crois que c'est dans cette partie, j'ai vu un mec atteindre le niveau 3. Donc j'imagine que ça lui donne plus de pouvoir. À savoir que quand vous commencez la partie, on vous demande de choisir, alors que ça soit pour les mecs qui sont en attaque ou pour le mec qui fait la bête, vous avez une option entre 3 ou 4 options. Vous avez un truc où vous pouvez choisir, par exemple, pour mon personnage, j'ai pu choisir un peu plus de boost quand je saute. Genre 25% en plus ou quelque chose comme ça. Pour la bête, c'est pareil, vous allez pouvoir choisir entre 3 pouvoirs. Vous allez pouvoir utiliser les 3. En fait, c'est comme si vous aviez 3 points d'expérience en fait, à mettre sur la bête et c'est vous qui les répartissez. Alors après, il faut savoir que justement, en tuant les bestioles que je vous disais, vous allez pouvoir upgrader vos personnages. Donc la bête va pouvoir s'upgrader en fait, et vous allez pouvoir récupérer de la vie, donc manger leur chair aussi. Mais vous allez pouvoir aussi récupérer des bonus, qui va vous donner des bonus d'XP. Et à la fin de la partie, en fait, vous allez pouvoir augmenter en fait certaines de vos armes. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du jeu, en fait, vous allez pouvoir continuer à avancer. Alors à savoir que dans cet alpha, il n'y a pas qu'une carte, hein, il y en a plusieurs. Je ne sais pas exactement combien il y en a. Demo m'a dit qu'il avait joué à 3 ou 4 cartes. Moi honnêtement je crois que j'ai joué qu'à 2 cartes différentes qui se ressemblaient assez d'ailleurs, mais bon voilà, ça reste une map qui reste moyennement grande on va dire, enfin qui est quand même assez grande pour faire la recherche, parce que vous voyez là la bête on l'a pas trouvée. Il faut savoir qu'il y a un des personnages qui a une particularité, il a une espèce de, bon, allez on va dire un chien mais c'est pas vraiment un chien, c'est une espèce de gros lézard comme ça qui lui peut renifler la bête. Comme vous avez vu tout à l'heure, on voyait des empreintes de pas en fait qui étaient au sol, ce qui fait que ça peut nous permettre de la suivre. Et vous avez cette espèce d'oiseau géant là, apparemment, qui est attiré par la bête, ce qui fait qu'en fait on sait qu'on peut aller à peu près dans le coin là-bas. Donc en fait nous on va essayer de tracer par là-bas. Et ce chien en fait va pouvoir permettre de renifler, ce qui fait que si jamais vous vous paumez, vous essayez de repérer le Klebs là qui est avec la barre de vie violette. Et en fait vous allez pouvoir vous rapprocher de lui en fait pour essayer de suivre la bestiole. Alors faut savoir qu'après, au corps à corps, la bestiole, c'est super chaud. Là, vous voyez, moi, j'ai une arme spéciale où je peux balancer une espèce de bombardement. Après, c'est quand même relativement long à recharger parce que vous avez la barre qui va remonter petit à petit pour recharger le truc. Et en plus, il va falloir concentrer son tir, en fait, pour ensuite relâcher pour pouvoir balancer le bombardement. Le problème qu'il y a, c'est que la bête bouge très très vite. Alors, ce qui fait qu'en fait, il va vraiment falloir le mettre au bon endroit. Il va falloir appréhender comment le mec va bouger, s'il va partir à gauche, à droite, tout droit, derrière, et pour pouvoir faire son tir. Et par exemple, il y a la fille, par exemple, elle a un truc qui est pas mal. C'est-à-dire que quand la bestiole va arriver, vous avez une arme secondaire, vous allez pouvoir tirer des espèces de crochets en fait qui vont se poser sur le sol. Et en fait ces crochets, ça va faire comme des harpons qui vont se jeter sur la bête et qui vont la retenir en fait. Et ce qui fait que vous pouvez en poser jusqu'à 3 et vous allez la voir en fait, la bestiole va être retenue en fait pendant un petit moment. En fait après elle peut le casser avec son attaque hein, au bout d'un moment. Mais elle va être retenue. Et là vous allez pouvoir balancer une espèce de coup spécial avec un personnage qui va créer un dôme au-dessus de nous en fait. Ce qui fait que la bête ne pourra pas sortir du dôme. Alors il pourra essayer de péter le dôme ou il y aura un laps de temps à attendre. Et en fait du coup pendant que c'est dans le dôme et ben, voilà, il va falloir le charger à mort pour pouvoir le crever. Donc alors après dans le jeu final je sais pas s'il y aura, enfin je pense qu'il y aura d'autres modes de jeu bien sûr. Après ce que je me dis, c'est que je me dis que si vraiment le truc du jeu c'est ne faire que ça, bon oui c'est clair, clairement je pense qu'on pourra se lasser quand même relativement vite. Je sais pas s'il y aura un mode histoire, parce que moi je pensais honnêtement que ça allait faire un peu comme Left 4 Dead, c'est-à-dire qu'on allait avoir sans doute cette bête à traquer, qui pourrait nous traquer nous aussi, mais qu'on allait devoir avancer d'un point A à un point B comme ils faisaient dans Left 4 Dead en fait quoi. Moi je m'attendais un petit peu à ça, et en fait pas du tout. Enfin, du moins sur l'alpha, hein. Après peut-être que ça changera quoi. Donc j'espère sur le jeu final, il y aura un truc plus comme Left 4 Dead, parce que moi c'est vrai que Left 4 Dead c'est un jeu que j'ai énormément apprécié, où je me suis vraiment régalé dessus, et j'espère vraiment qu'il y aura cet effet là. Bon graphiquement c'est difficile de juger sans une alpha, hein. Tout ce que je sais c'est que les personnages sont super bien modélisés, bon après au niveau du décor, bon voilà ça reste correct mais sans plus, mais après c'est une alpha.
voilà, ça il faut bien le garder en tête. C'est comme nous les problèmes qu'on a avec les serveurs et tout ça, c'est une alpha, donc voilà, c'est pas des choses qu'on peut critiquer maintenant. On peut pas dire c'est bon, c'est mauvais, bon parce que bon de toute façon pour l'instant c'est plutôt mauvais, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas une version finale, même très loin de là, parce qu'apparemment c'est une pré-alpha, c'est même pas une alpha, c'est une pré-alpha d'après ce qu'on m'a dit. Donc c'est vrai que pour juger ça on peut pas trop. L'idée je la trouve bonne là, sur la base quoi. Mais je vous dis après sur le temps, est-ce que ça va pas nous lasser, ça je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Moi personnellement c'est un jeu que je comptais acheter. Là de ce que j'en ai vu, c'est vrai que du coup ça m'avait refroidi un petit peu sur le système de jeu. Alors ce qui est étonnant c'est que j'ai fait les autres parties que j'ai faites où franchement les gens bougeaient bien, parce que là en plus du coup je connais personne dans la partie, ce qui fait que vous voyez les gens ils s'éparpillent un peu partout, il n'y a pas vraiment de coop. Voilà, donc je pense que déjà dès que les gens font un peu n'importe quoi, comme moi ou comme les autres hein, d'ailleurs, si les gens s'éparpillent un peu partout, bah voilà, en fait il n'y a plus trop d'intérêt dans le jeu quoi. Par contre, dans les autres parties que j'ai faites, où les gens se suivaient bien, où le mec qui gérait la bête la gérait assez bien, bah, franchement c'était vraiment vraiment sympa à jouer. Alors par contre les parties pouvaient durer genre 3-4 minutes, pas plus là, parce que vous voyez là déjà je dois être rendu un peu plus de 10 minutes. Moi, les autres parties que j'ai vues, c'était pas comme ça. C'était vraiment à fond, quoi. Ça partait dans tous les sens, quoi. J'ai pu utiliser la bête, justement. C'était moi qui incarnais la bête. Bon, je me suis fait ramasser, mais comme une merde, parce que je connaissais pas les boutons. D'ailleurs, j'ai pas tout compris, mais bon, voilà, quoi. Je sais que je pouvais balancer une espèce de flamme, un peu comme Godzilla, là, quand il envoie son espèce de rayon, quoi. On peut ramasser des rochers par terre, les jeter à la gueule des gens. On peut s'agripper sur les trucs, sauter, tout ça, quoi. On a une attaque spéciale au sol. Bon, bien sûr, on peut foutre des coups de poing et tout, quoi. Et je vous dis, on peut se nourrir avec les bestioles et tout ça. Il faut vraiment servir de la faune, c'est assez important, quoi. Et ce qui est pas mal, c'est qu'à un moment donné, j'ai rencontré une espèce de dinosaure, en fait, que j'ai bouffé. Et je me suis barré, et quand je suis revenu à l'endroit, donc on voyait la dépouille du dinosaure qui était par terre. Et en fait, j'ai eu le temps de faire le tour de la carte. Donc les mecs me poursuivaient, tout ça, je me suis barré, et je suis retourné à l'endroit où j'avais bouffé le dinosaure. Et en fait, on voyait la carcasse de la bestiole qui s'était décomposée. Ce qui fait qu'on voyait les entrailles de la bestiole qui étaient restées, tout ça, quoi. Voilà, c'est du détail, mais le détail, c'est important, et j'ai trouvé ça assez sympa qu'ils aient fait ça, quoi. Après, bon, voilà, le moteur utilise le CryEngine. Moi, franchement, pour une alpha, je trouve ça pas dégueulasse, hein. C'est plutôt pas mal, même si c'est pas tombé par terre non plus. Mais voilà, c'est une alpha. Je pense qu'on aura un système de finition qui sera certainement mieux sur la version finale, mais c'est même sûr. Donc voilà, bon, je suis un peu mitigé sur le coup du gameplay. Quelque part, j'ai envie d'y croire, parce que, bon, les mecs, Turtle Rock, c'est pas n'importe qui. Je vous dis, les 4 Dead, moi, les deux, j'ai kiffé dessus, mais un truc de fou, quoi. C'est vraiment un jeu qui m'a plu, et pourtant, le jeu était très moche. Et on aurait pu croire que le jeu allait être maudit, mais en fait, pas du tout. Je pense que beaucoup de joueurs ont adhéré à Left 4 Dead. Et c'est possible que les gens adhèrent à Evolve. En tout cas, moi, je pense que je vais tenir ma précommande du jeu, parce que je vous dis, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont nous concocter, surtout en mode de jeu. Et j'espère vraiment qu'il y aura une partie, même si la bête ne sera pas gérée par un joueur, mais j'espère vraiment qu'il y aura une partie coop à 4, où on devra avancer dans des niveaux, on aura cette bestiole au cul, plus la faune qui traîne un peu partout. Parce que là, je pense que ça sera vraiment, vraiment intéressant. Parce que moi, c'est vrai que dans Left 4 Dead, il y avait plusieurs modes de jeu où on pouvait jouer infecter les trucs, mais on continuait en fait dans le mode histoire, et c'est ça que j'aimerais en fait qu'ils fassent avec Evolve. Alors honnêtement, je sais pas, j'ai pas regardé s'ils comptaient faire ça ou pas, j'en ai strictement aucune idée. C'est vrai que les morceaux de gameplay qu'on avait déjà vu en vidéo, ça représentait un peu ce qu'on voit là. D'ailleurs, s'il faut, c'est même peut-être la même pré-alpha, hein, c'est possible, hein. Puisque c'est vrai que j'ai pas vu d'évolution avec ce que je vois là et les vidéos qu'ils nous avaient montré il y a quelques temps, donc à voir. Je vous dis franchement. Après, je vous dis, je vais essayer de refaire des vidéos pour voir un petit peu si déjà on peut voir d'autres cartes, si on peut voir plusieurs classes de personnages. Ça serait pas mal que je puisse vous faire voir la bête aussi, j'aimerais bien, quoi. Bon, après, je vous garantis pas que ça sera passionnant. Putain, je suis en train de me faire défoncer là, regardez. Là, par contre, quand vous l'avez au cul, c'est compliqué, hein. Donc j'espère que je pourrai vous faire voir des trucs... voilà, un petit peu plus, quoi, parce que c'est vrai que après c'est compliqué d'entrer dans une partie, je vous assure. Pour ceux qui ont dû télécharger cet alpha, j'imagine qu'ils ont eu les mêmes problèmes que nous. J'ai vu que sur les forums, il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de ça. Mais bon, voilà, après, moi, je veux dire, j'en veux pas à Turtle Rock ni à Take-Two de voilà, que ça merde, puisque de toute façon, c'est fait pour ça. C'est fait pour tester et pour voir un petit peu, quoi. Bon, vous voyez, je me suis fait crever. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut quand même partir sur la caméra d'un autre. A savoir que quand vous vous retrouvez au sol avec le flingue aussi, la personne peut encore vous sauver. Et si jamais on vous sauve pas, vous voyez, j'ai un petit compteur en haut qui se met. En fait, je peux avoir un déploiement et je reviendrai en parachute. Et là, je pense qu'il est bien parti pour se faire dépouiller.
Voilà, il s'est fait dépouiller. Donc bah dans l'ensemble, je vous dis, je suis un peu mitigé. J'ai quand même, je garde espoir qu'il rajoute ces modes coop là, comme je vous dis. J'espère que ça fera un peu comme les 4 Dead. Honnêtement, j'espère, parce que moi c'est ça que j'attendais en fait. Quand j'ai su que ce jeu allait sortir, moi j'ai vraiment pensé à ça. En plus, qu'on nous a dit que ça faisait penser un peu à les 4 Dead dans le type de jeu, hein, enfin dans le type de gameplay. Moi déjà de suite c'est bien. C'est vrai qu'après les boutons sont pas compliqués. Vous pouvez, je pense qu'on va s'y faire rapidement, puisque c'est vrai que les boutons sont bien départagés. Vous avez un bouton pour chaque arme et tout ça, quoi. Donc je pense que ça peut vraiment pas mal. On peut se taper des boosts en volant et tout, quoi. Franchement, je pense qu'il y a des possibilités. D'ailleurs, ça faisait penser à un petit Titanfall, le coup de pouvoir voler un petit peu, de monter sur les montagnes et tout ça, quoi. Je pense qu'ils ont pris un petit peu de partout et ça a donné ça. Donc bah écoutez, on se retrouve bientôt. J'essaierai de vous faire une vidéo. Allez, ciao, ciao.